Bonjour à toutes et à tous les amis, installez-vous confortablement, j'espère vraiment que vous allez bien, que vous avez pu profiter peut-être d'un week-end prolongé à l'occasion de ce 1er mai, que vous en avez profité si c'est le cas pour recharger un petit peu les batteries. En tout cas, je pense que vous le constatez, mais oui, votre bon vieux bistrot du jeu vidéo ne fait pas de relâche et vous accueille au quotidien pour vous servir le meilleur de l'actualité JV et sur la chaîne, vous le savez. Hein. J'essaye aussi au maximum de répondre à vos interrogations et alors là, il y a quelque chose qui fait couler énormément d'encre et sur lequel vous ne cessez de me questionner, là, depuis des jours et des jours et des jours, eh bien, c'est ce feuilleton incroyable et pas toujours magique qu'est le rachat potentiel d'Activision Blizzard King par Microsoft. Vous savez, hein, il y a quelques jours de cela, on a appris que les autorités de la régulation anglaise, la CMA, avaient décidé de bloquer ce rachat, et suite à ça, eh bien, les différents responsables de Microsoft et d'Activision Blizzard King sont montés au créneau, avec des propos parfois très virulent, et alors certains m'ont questionné sur le fait, mais alors attends, ils ont menacé l'Angleterre, qu'est-ce qui se passe? Eh ben, on va regarder véritablement ce qui a été dit, et essayer eh ben, de conclure un petit peu sur le positionnement de Microsoft et d'Activision Blizzard en ce moment, avec en plus les réponses eh bien, de certains responsables politiques anglais. Vous allez voir très clairement, le ton est en train de monter. Zelda, Tears of the Kingdom, là on revient vraiment stricto sensu sur du jeu vidéo, eh bien c'est clairement, oui, le plus gros jeu Nintendo de la Switch, mais il y a une petite subtilité qui vient tout juste de passer et qui mérite notre attention. Et puis enfin, Titanfall 3, c'est une licence que beaucoup apprécient. Eh bien, chez Respawn, les développeurs, on en rêve aussi, mais il y a une petite subtilité, oui, qui risque de pas faire forcément plaisir à tout le monde là maintenant tout de suite. En tout cas, ce qui est certain, c'est que c'est le menu du bistrot du jeu vidéo édition 891 et ça commence maintenant. Oui, on peut dire clairement que c'est un gros menu, hein, histoire de bien se lancer avec cette nouvelle semaine qui, là encore, s'annonce extrêmement chargé. Alors, parmi les gros jeux qui font l'actualité, que ce soit par leur qualité sur le fond, mais dans la forme technologiquement parlant, font un petit peu grincer des dents, on a un certain Star Wars Jedi Survivor. Alors, je vous en ai parlé quelque peu ce week-end. Eh bien là, on va parler du studio qui se cache derrière, à savoir Respawn. Et Respawn, parmi les licences qui les ont fait connaître, il y en a une dont on découvre quelques images, à savoir Titanfall. Ouais. Et bien Titanfall, beaucoup de joueurs avaient apprécié le premier, mais surtout le second opus. Et même si le succès critique était au rendez-vous, le succès commercial, lui, par contre, c'était un petit peu plus compliqué. Alors est-ce qu'on aurait la possibilité de voir émerger une suite? Eh bien, la question a été directement posée aux responsables de Respawn Entertainment, à savoir Vince Zampella, et voici ce qu'il a répondu aux médias Baron. Je le traduis. Je déteste dire que ça arrivera, car les gens s'y accrochent, puis vous embrochent quand ça ne vient pas. Mais j'aimerais que cela se produise, est la vraie réponse. Cela étant, il n'y a pas de plan précis à son sujet actuellement. Ce doit être la bonne chose. C'est une licence tellement appréciée des fans, et par nous aussi. Si ce n'est pas le bon moment, pas la bonne idée, alors cela n'a tout simplement pas de sens. Apex Legends se déroule dans l'univers de Titanfall, n'est-ce pas? Il y aurait peut-être quelque chose à faire qui ne trouble pas les fans d'Apex, qui ne sont pas nécessairement des fans de Titanfall pour le moment. C'est une question difficile à répondre, mais finalement, j'aimerais voir quelque chose. Bon, alors, j'ai envie de dire, c'est la première brique. C'est-à-dire, quant à le responsable du studio en question, qui dit que bah il aimerait bien le faire, tu te dis que au moins, à minima, c'est dans leur tête. En revanche, il l'a dit très clairement, à l'heure actuelle où on se parle, il n'y a pas de projet précis. Cela dit, souvenez-vous, il y a quelques temps de cela, je vous en avais d'ailleurs parlé ici même sur la chaîne, on avait appris, via des insiders généralement bien informés, qu'il y avait un projet qui s'appelait Titanfall Legends, qui avait été en préparation. Alors, c'était pas un Titanfall 3 à proprement parler, hein, mais c'était dans l'univers de Titanfall. Sauf que Electronic Arts l'aurait annulé en février dernier. J'emploie évidemment le conditionnel, puisque dans l'absolu même, Titanfall Legends n'avait jamais été officialisé. Alors, ça veut quand même bien dire qu'il y a des choses qui se passent un petit peu autour de cette licence, qui testent, et puis, bah non, ça fonctionne pas, etc. C'est pour ça que Vince Zampella, quand il dit
il faut que ce soit la bonne idée et le bon moment. Bah, ils avaient probablement ni la bonne idée et c'était probablement pas le bon timing. Donc, eh bien, un peu de patience. Mais quand il y a l'envie des joueurs, l'envie du studio, après, bah, il faut juste réussir à trouver le bon timing et la bonne idée. Vous l'aurez compris. Vous me direz dans les commentaires si c'est une licence qui vous inspire et si vous avez vraiment envie d'avoir une suite. Je pense qu'il faudra l'exprimer pour peut-être donner un petit peu la petite pichenette supplémentaire pour qu'un jour, eh bien, celui-ci puisse se produire. Allez, on enchaîne avec une deuxième grosse news, mais au sens littéral du terme, puisqu'on va parler de Zelda. Tears of the Kingdom, indéniablement, faisant partie des jeux les plus attendus des prochaines semaines et du mois de mai, indubitablement, puisqu'il est prévu pour le 12 de ce mois. Donc là, c'est maintenant imminent en exclusivité sur Nintendo Switch. Eh bien, on vient de découvrir un petit changement technique le concernant. Alors, pour bien comprendre ce qui s'est produit, je vous propose en fait qu'on reparte en février dernier. C'était il n'y a pas si longtemps que cela. Et en février dernier, on avait appris quoi ? Eh bien, regardez, plusieurs sites en avaient fait mention. On avait découvert officiellement que le jeu pesait 18,2 gigas, ce qui en faisait tout simplement le plus gros jeu de l'histoire de Nintendo à sortir sur Nintendo Switch. Je parle vraiment de jeux first party, donc développés chez Nintendo. Et pour juste vous donner un petit ordre d'idée quand même, c'était beaucoup plus volumineux, par exemple, qu'un Breath of the Wild, qui culminait déjà à 14,4 gigas, donc c'était quasiment 4 gigas de plus pour sa suite. Alors, juste entre parenthèses, je sais, parler de jeux qui font moins de 20 gigas à l'époque des consoles ultra HD, etc., qui pèsent, comme Star Wars par exemple, plus de 150 gigas ou quasiment 150 gigas, ça paraît dérisoire de dire c'est le plus gros jeu, ok? Mais la Switch, vous le savez, hein, les textures quand même sont moins conséquentes, un petit peu baveuses, il faut aussi savoir le reconnaître, etc. Et donc forcément, ça prend moins de place, hein, y a pas de technologie extraterrestre. Hein. Si vous voulez de la 4K et des textures ultra haute qualité, ça pèse lourd. Voilà, il faut de la donnée, etc. Ce que n'a pas aujourd'hui la Nintendo Switch. Bon, bref, on y retourne parce que je vous disais, il y a un petit changement. Alors un petit changement subtil, mais en fait, eh bien, le jeu a fait une cure d'amaigrissement. Oui. Qu'est-ce qui se passe? Eh bien, regardez, si officiellement il avait été annoncé à 18,2 gigas, lorsque l'on va, là, depuis quelques heures, sur le site officiel de Nintendo, et qu'on descend tout en bas, pac, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, vous le constatez comme moi, il a perdu 2,2 gigas de données. Hop là! Alors, qu'est-ce qui se passe? Ils ont retiré des trucs dans le jeu, non, c'est un scandale. Non, très probablement plutôt qu'ils ont optimisé et qu'ils sont passés comme ça à la moulinette de la compression de certaines données pour faire en sorte que ce qui reste quand même, hein, le jeu le plus volumineux de la Nintendo Switch pour Nintendo, et donc très probablement le jeu le plus volumineux de l'histoire de Nintendo en termes first party, bien que ce soit un tout petit peu moins lourd, etc. Moi, j'avais entendu parler du fait qu'il travaillait énormément sur plein de technologies de compression pour essayer comme ça de le rendre un petit peu plus dense. Maintenant, qu'est-ce que j'ai hâte? Et je sais que beaucoup parmi vous aussi, du coup, après ma preview où j'ai eu la chance de pouvoir y jouer manette en main et je vous ai ramené du gameplay enregistré par mes soins, et d'ailleurs, je vous en remercie puisque vous êtes d'ores et déjà plus de 100 000 à l'avoir visionné, et ça, ça fait plaisir, regardez. Elle vous attend là, hein, ma preview, hein, si vous l'avez manqué, juste ici. Et donc, vous êtes déjà près de 105 000 hein, à l'avoir visionné là en l'espace de 5 jours. Merci beaucoup. Mais j'ai vu aussi que vous étiez encore très, très nombreux à vous poser des questions sur le jeu. Eh bien, vous savez quoi? Là, au moment où vous écoutez cette émission, si vous allez sur mon Instagram, il y a une petite story qui vous attend. Et c'est une FAQ 100% Zelda Tears of the Kingdom. Vous pouvez donc me poser toutes les questions que vous souhaitez à son sujet, et je sélectionnerai, etc., comme on fait pour la FAQ traditionnelle du week-end, et j'y répondrai avec vous. Donc, bah, allez-y, let's go. C'est maintenant ou jamais, si vous avez encore quelques questions auxquelles je peux répondre, hein, évidemment. Eh bien, faites-vous plaisir. Bon, ça, c'était pour les deux premières news du jour. Et là, on va passer bah, à la une, hein, à la news centrale, puisque... Mais vous avez été une
tonne, mais une tonne. J'ai halluciné à me questionner, à m'envoyer des captures et des machins en disant « Mais attends, regarde quand même, ça part en vrille, là depuis l'annonce de la CMA, Microsoft, Activision Blizzard, ils sont en roue libre, les dirigeants là, ils menacent l'Angleterre et tout. » Tu fais « Ok, d'accord. » Alors, je me souviens qu'effectivement, quand on avait parlé dans la Breaking News, il y avait certains propos qui étaient quand même assez incisifs, mais c'est vrai aussi que depuis, il y a eu des propos, par exemple, de Brad Smith, qui est le responsable de Microsoft, qui s'est entretenu avec la BBC, donc grand organe médiatique anglais, et qui effectivement a tenu des propos où on sent quand même qu'il est assez furieux. D'ailleurs, la BBC, à proprement parler, a titré à ce sujet, regardez, le boss de Microsoft est furieux et dit quand même que la confiance dans l'Angleterre a été profondément secouée. Et il a des termes quand même, regardez, où il parle d'investissement, etc. Brad Smith, il est chaud. Bon, ce que l'on comprend quand même, et c'est normal, enfin là je veux dire, c'est quand même assez humain, c'est que il ne s'attendait probablement pas à cette décision de la CMA, et que ça leur fait pas plaisir du tout. Le fait que le territoire anglais, via l'autorité de la régulation de la concurrence, la CMA, qui est une autorité indépendante, et vous allez voir, il y a l'un des responsables politiques de l'Angleterre qui l'a bien précisé, et décidé de bloquer le rachat sur son territoire, forcément, c'est pas une bonne nouvelle. Je veux bien que certains fassent passer ça pour « oui, non, mais c'est un épiphénomène ex... » Non, ça veut dire que au mieux, là maintenant, il va y avoir un appel, et que ça va prendre des mois, et que au mieux, eh ben, ça va rallonger le processus de plusieurs mois, etc. Mais attention, l'effet de contagion, etc., c'est vraiment plus qu'une épine dans le pied, là, pour Microsoft et Activision Blizzard. Alors, j'ai regardé un peu, et pour répondre à vos interrogations, certains me demandaient « Mais alors attends, est-ce que ça condamne définitivement le rachat ou pas, etc. ?» C'est un peu plus complexe que cela. Premier point sur lequel j'ai envie de revenir, j'ai regardé un petit peu ce que les analystes de ce genre de dossier, de rachat, de deal, d'autorité de la concurrence, etc., soulignaient. Eh bien, selon eux, depuis 2010, la CMA a remporté 67% des appels au sujet d'un rachat. C'est-à-dire que bah, c'est pas la première fois qu'ils ont donné un verdict et que les personnes bah, qui étaient visées n'étaient pas contents, ont proposé de faire un appel, etc. Sauf que globalement, hein, 67%, c'est pas très loin de 70%, donc globalement, à 70% des cas depuis 2010, donc depuis une quinzaine d'années, entre guillemets, eh bien, c'est la CMA qui l'a emporté. Et donc, le jugement initial a été validé. En clair, il y a quand même plus de chances que l'appel que Microsoft et Activision Blizzard souhaitent faire ne donne rien et ne change rien à la donne, et que donc le rachat soit bel et bien bloqué en Angleterre. Bon, résultat, bah oui, on sent qu'il y a clairement de la fébrilité chez Microsoft et Activision Blizzard, et dans les propos des dirigeants, ça s'entend clairement. Alors je vous disais, là-dessus, il y a effectivement la prise de parole de Brad Smith à la BBC, qui fait couler beaucoup d'encre, et qui fait couler quand même pas mal d'encre aussi outre-Manche. Hein. Vous allez voir, il y a des responsables politiques qui ont été questionnés et qui ont répondu sans détour à ce sujet. Alors, qu'est-ce qui s'est dit? Eh bien, évidemment, je vais vous traduire certains des propos, et on va mettre ça sur un fond de Call of Duty, parce que, oui, clairement, c'est tendu. Voilà ce qu'a dit Brad Smith à la BBC. Microsoft est présent au Royaume-Uni depuis 40 ans. Et il joue un rôle essentiel, non seulement en soutenant les entreprises et les organisations à but non lucratif, mais aussi en défendant le pays contre les menaces en matière de cybersécurité. Mais cette décision, je dois le dire, est probablement le jour le plus sombre de nos 4 décennies de présence en Grande-Bretagne. Mais plus que cela, malheureusement, je pense que c'est mauvais pour la Grande-Bretagne. Cela fait plus qu'ébranler notre confiance dans l'avenir de l'opportunité de développer une entreprise technologique en Grande-Bretagne à laquelle nous n'avons jamais été confrontés auparavant. Il y a un message clair ici, l'Union européenne est un endroit plus attrayant pour démarrer une entreprise que le Royaume-Uni. Ok, alors là c'est quand même des propos qui effectivement sont très lourds, qui sont très durs, à l'encontre du Royaume-Uni, de la Grande-Bretagne. En gros, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire, écoutez les gars, on a été avec vous, on a investi pendant des années, etc. Bah là, si ce deal se fait pas, on va questionner certaines choses. L'Union européenne, l'Europe, est plus attrayante. Donc, clairement, et d'ailleurs, des sites même
traitant de l'actualité Xbox, le souligne. Activision menace le Royaume-Uni d'investir dans le pays. Pourquoi ? Bah parce que dans le même temps, Bobby Kotick lui-même a eu des propos pareils, assez menaçants. Alors attendez, c'est pas des menaces sur la sécurité d'un pays, etc. Pas du tout. Mais c'est des menaces économiques. Menaces de désinvestir. Bah oui. On va faire moins de choses chez vous. Ça aura peut-être des répercussions sur des emplois. C'est quand même, c'est une menace économique. Voilà. Qu'est-ce qu'avait dit Bobby Kotick ? À une époque, je cite, hein, et je traduis, « À une époque où les domaines de l'apprentissage automatique et de l'intelligence artificielle sont en plein essor, nous savons que le marché britannique bénéficierait de la force de frappe de Microsoft dans ces deux domaines, ainsi que de notre capacité à mettre ces technologies en œuvre immédiatement. En revanche, si la décision de la CMA est maintenue, elle étoufferait l'investissement, la concurrence et la création d'emplois dans l'ensemble de l'industrie du jeu au Royaume-Uni. » Alors, je sais pas ce que vous en pensez, mais est-ce que vraiment, si ce deal ne se fait pas, c'est, je cite, « l'investissement, la concurrence et la création d'emplois dans l'ensemble de l'industrie du jeu vidéo au Royaume-Uni qui est ébranlé. » Dans l'ensemble, hein, pas juste pour Microsoft, Activision Blizzard, etc. Pour l'ensemble. Alors, oui. Quand ça évoque des emplois, etc., quand ça souligne que l'Europe, c'est plus attrayant et machin, ouais, il y a une menace à peine voilée de, à minima, ralentir le soutien économique aux pays concernés, l'Angleterre. Je trouve que c'est quand même vraiment pas anodin que des chefs d'entreprise, étrangers qui plus est, américains là en l'occurrence, indiquent ça fortement pour un territoire. C'est quand même pas banal, je trouve. Alors, en l'occurrence, il y a eu des réactions, et des réactions politiques. Qu'est-ce qui s'est passé ? Qu'est-ce qui s'est produit suite à ces propos ? Eh bien, un porte-parole du Premier ministre anglais a réagi en déclarant que Brad Smith avait tort de dire que la décision de la CMA était mauvaise pour la Grande-Bretagne et que l'Union européenne était un meilleur endroit pour faire des affaires. Je cite « Ce genre d'affirmations ne sont pas confirmées par les faits ». Et il a ajouté que le secteur britannique des jeux vidéo avait d'ailleurs doublé de taille au cours de ces 10 dernières années, et a souligné aussi que la CMA était indépendante. Alors qu'est-ce qui se passe, au fond ? Pourquoi il y a cette position de Microsoft, d'Activision Blizzard, qui vraiment montre du doigt l'Angleterre, et ouvre la porte très fortement, en disant « mais l'Union Européenne, par contre, ils sont plus attrayants, etc. » Bah, tout simplement parce que là, il y a un peu le feu dans la maison, et que ils ont peur que ça fasse contagion. Parce que là, qu'est-ce qui se produit ? La CMA a donné son verdict, mais maintenant, ça va être l'Europe. Et vous savez qu'aux États-Unis, avec la FTC, c'est très tendu. Donc, les prochains vraiment... et ça va être un peu la pierre angulaire, hein, ça va être ceux qui vont faire le point d'équilibre, bah c'est la Commission européenne. Si la Commission européenne valide le rachat, bon, ça re-respire un petit peu, ça met la pression, etc., sur la CMA, pour l'appel, etc. Mais si la Commission européenne va dans le même sens que la CMA au final, alors là, ne nous y trompons pas, je pense que si et l'Angleterre et l'Europe bloquent le rachat, ce sera très compliqué pour le deal. Pourquoi ? Parce que, vous savez, il y a plein de choses. Il y a le juridique, il y a l'économique, mais il y a aussi, quelque part, presque le philosophique. Et donc, ça voudrait dire que Microsoft devrait batailler, faire des procès, des appels, dans des territoires majeurs, un peu partout. Ça rallongerait encore les délais. Et vous savez quoi ? Moi, j'ai entendu, hein, en interne, certaines personnes, même chez Microsoft, dans des discussions que j'ai pu avoir, souligner que bah, ces 70 milliards en période de crise, est-ce qu'ils étaient vraiment bien investis dans le rachat d'Activision Blizzard King ? Ou est-ce que valait mieux mettre cet argent sur d'autres sujets, etc. Et que donc, si ça ne se faisait pas au final, serait-ce vraiment à ce point une mauvaise nouvelle pour les intérêts économiques de Microsoft ? Donc, on sent qu'il y a beaucoup de choses qui sont en train de bouger. Alors attention, attention. Aujourd'hui, bien malin serait celui qui serait capable, avec une assurance totale, de dire « ça va se faire » ou « ça va pas se faire ». Non. La seule chose qui paraît globalement certaine, c'est que bah, y a peu de chances que ce soit bouclé
d'ici cet été, comme Microsoft l'avait annoncé jusqu'à présent. Ça va au mieux prendre plusieurs mois supplémentaires, probablement pour nous amener à la fin de l'année 2023, voire même au début d'année 2024. Et encore, on ne saura pas exactement là où la pièce va tomber. Mais alors, très 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 importante, ça va être la décision de la Commission européenne. Alors là, vraiment, je vous dis, soit ça remet une pièce dans l'histoire, soit, à mon avis, le dossier va commencer à se refermer très très fortement. Et je veux dire, on n'est vraiment plus à l'abri de la moindre surprise, parce que les échos qu'on peut entendre, c'est que la Commission européenne, suite à la présentation qui a eu lieu il y a quelques semaines de cela, serait peut-être plutôt favorable. Mais on avait cru comprendre que c'était aussi le cas de la CMA, quelque temps avant qu'ils annoncent au final que, bah, en fait, non. Sans oublier vraiment hein, la FTC, donc aux États-Unis, territoire quand même de Microsoft et d'Activision Blizzard, qui, depuis le début, eux, ils indiquent « Non, mais nous, on va aller au procès, si vous voulez. Hein. Nous, on veut bloquer, en fait. On n'en veut pas de ce rachat. » Complexe, hein. Très complexe. Hein. Je rappelle hein, qu'il y a d'autres cas aussi, alors qu'ils ne sont pas exactement les mêmes, etc. Mais pareil, de méga rachats, etc. Quand Nvidia a voulu racheter ARM, eh ben au final, ça s'est pas fait. Parce qu'il y a plusieurs autorités de la concurrente qui ont commencé à mettre des bâtons dans les roues, etc. Et que devant la complexité du dossier, je vous dis, hein, c'est même pas tant une question d'argent, mais juridique, social, etc. Même en termes d'image de marque, rester empêtré dans des problèmes comme ça, devoir faire des procès, devoir faire des appels, machin. Bah, à un moment, tu te dis, est-ce que j'investirais pas mon argent autrement, quoi? Surtout quand on a vraiment beaucoup. Comme Nvidia, comme Microsoft. Donc, quand on commence à entendre des discours, comme Phil Spencer, par exemple, qui dit, non mais vous savez, si ce deal, il se fait pas, c'est pas la fin du monde hein, pour nous, hein, on a d'autres plans, on fera différemment, etc. Ça commence à entrouvrir la porte d'un atterrissage qui peut-être, ne sera pas exactement celui d'un rachat validé. Bon, bah en tout cas, c'est un feuilleton extrêmement long et qui est très très loin d'être fini, mais vous m'aviez posé énormément de questions hein, sur les propos de Brad Smith et autres, et donc j'avais envie de vous apporter ces précisions supplémentaires, ainsi que les retours quand même porte-parole du Premier ministre anglais, qui lui a dit qu'en gros, Brad, ce que tu dis, bah, c'est tout simplement pas confirmé par les faits. Voilà! Ambiance. En tout cas, vous me direz un petit peu ce que vous en pensez. Calmement, hein, sereinement, je vous en prie. Pas les histoires de fanboyerie. Hein. Là, vous le voyez, hein, les faits. Et rien que les faits, évidemment. En attendant, bah, n'hésitez pas. Le PAP, le pouce, bien sûr, pour soutenir la chaîne. L'abonnement, pour être sûr de ne rien manquer. Et le partage sur vos réseaux sociaux. Et puis, vous avez plein d'émissions qui vous attendent dans le catalogue. Alors, faites-vous plaisir, les amis. Moi, je vous donne rendez-vous très rapidement. Mais d'ici là, vive notre passion du jeu vidéo. Ciao.